Salut à tous et bienvenue sur Aspark TV, j'espère que vous allez bien. Je vois que Toumaï pensait que ça laguait, j'espère que ça lague pas. Dites-moi dans le chat si vous avez des problèmes de lag. Moi, normalement, d'après Streamlab, il n'y a pas de lag, donc voilà. Salut, merci Toumaï du coup de m'avoir passé le stream. Salut Silla, Verifiette, salut Jaffaël, salut Munchak, salut Nalak, salut Noubest, salut Zodouf, salut Sacanium, salut Jean-Mich, salut Sigriff. Aucun lag. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Putain, j'ai eu peur. J'étais là en mode, oh putain, s'il y a des lags, je suis pas bien. Non, parce que je vous explique, comme j'ai déménagé, je me suis pris la fibre chez Free et compagnie, fibre optique et tout. Donc théoriquement, je devrais pas avoir de lag. Mais hier soir, on a eu un petit souci pendant le stream avec Pell, le stream duo, et on sait pas si c'est dû à Discord, si c'est dû au jeu ou si c'est dû à ma connexion. Et j'ai peur que ce soit moi qui ai des soucis de connexion et que je ne le sache pas et que je dois faire face à ben, un problème en fait, un problème que j'aurais pas calculé. Normalement, quand on a une fibre optique, on n'est pas censé laguer en stream, mais il se pourrait qu'il y a quelque chose que j'ignore. Peut-être que le fait de ne pas être câblé, je suis pas en câble Ethernet, peut-être que ça peut expliquer. Normalement, j'ai 50 mégas d'upload, donc je devrais pas avoir ce problème-là, quoi. Genre, si ça lague, c'est emmerdant. Donc voilà. Dites-moi si tout va bien, si vous avez aucun lag, et puis on pourra lancer ce stream de la manière la plus convenable possible. Salut Quentin Lamprouge. On parle de fibre française. Ben ouais, on parle de fibre française. Fibre optique, normalement, il devrait vraiment y avoir aucun lag. Surtout avec 50 mégas d'upload et 70-80 de download, ce qui est pour le coup pas très très haut en download. Ouais, après en upload, c'est pas trop mal, Kevin, pour le coup. Ouais, après je suis en Wi-Fi, donc est-ce que possiblement il faudrait que je me câble avec un câble Ethernet pour éviter les problèmes de co? Donc voilà, vraiment si ça lag, n'hésitez pas, au moindre lag sur le chat, je veux entendre Val, tu lags, et comme ça voilà, si c'est récurrent, je ferai ce qu'il faut pour. Parce que j'ai envie de vous proposer les lives de la meilleure qualité. J'ai déjà acheté une nouvelle caméra, j'ai aussi des luminaires, vous le voyez pas, mais. J'ai réglé mes problèmes de luminaire parce que d'habitude j'étais jaune en fait à cause de la lumière jaune. Et voilà, j'ai un joli petit parapluie avec une belle ampoule juste derrière la caméra que vous ne voyez pas. Et donc voilà, j'aimerais bien à terme bah, pouvoir vous proposer la meilleure qualité possible quoi. Ok, on veut la cam grûle, c'est fini nous best. C'est fini la cam grûle, je suis désolé. On s'est resetup avec le déménagement et il n'y aura plus de cam grûle. Après, je peux très bien enlever cette cam et vous remettre la grûle, ça vous plaît. Hein. Mais voilà, ça rend un peu moins bien, quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez vu, j'ai mis le petit message. Hein, la TV ferme vendredi à 19h. On en a déjà parlé hier soir pour ceux qui étaient présents sur le stream duo. Je vous demande encore de ne pas vous sub. Je vais en profiter pour aller modifier le titre du stream, chose que je n'ai pas encore fait. Je vais le faire tout de suite et puis je suis à vous d'ores et déjà. Je suis un petit peu dans le rush parce que je viens à peine de rentrer du boulot là. Je suis rentré il y a 20 minutes, le temps que je m'installe, tout ça, tout ça. Comme je finissais à 18h, il pleuvait un peu le temps que j'arrive. Alors bougez pas. Je vais vous proposer de l'event 2020 ce soir. Hein. J'ai buildé des petits paquets expressément pour cela. Donc voilà. Beaucoup de pluie à Toulon aujourd'hui, énormément Lyon, beaucoup trop. Complètement improbable d'ailleurs. Écoutez, normalement, on est bon. Je crois que le titre est ok. Je vais pouvoir commencer à streamer. Donc voilà. Regarde un petit peu le stream. Malheureusement, j'ai toujours pas récupéré mon PC. Il est réparé, mon second PC. Donc, je vais enfin pouvoir avoir mon deuxième écran et du coup regarder le chat de manière tout à fait simple et classique et ne pas être obligé de scroll sur mon téléphone. Ce qui effectivement rend le live un tout petit peu moins qualitatif. Je m'en excuse encore une fois. Je vous disclaime dès le début du live. Mais voilà, c'est corrigé. Je récupère le PC demain. Donc, dès le prochain stream qui sera vendredi matin de 10 à 13, j'aurai le deuxième écran. Et donc, du coup, on aura une fluidité d'interaction nettement supérieure. Aujourd'hui,
Pour l'event BO1 Rotation Proof qui permet de farmer l'XP, je vous ai buildé. Alors, buildé, vous me connaissez, hein. Généralement, je prends un deck qui joue Elf et Nissa et je saupoudre. Donc, buildé, c'est un grand mot. Je ne crée rien, je transforme tout, évidemment. Mais voilà, en gros, j'ai adapté des decklists qui me plaisaient pour tenter l'événement. C'est quoi cette étagère d'adolescent? Écoute, c'est l'adolescent en moi qui parle. Tout simplement, c'est plein de choses que j'aime, j'ai grandi avec ça et j'espère continuer à aimer ça le plus tard possible. J'ai 28 ans et je m'en lasse toujours pas. Et alors, jouer en standard 2020. Lançons l'événement. Je précise que je n'ai fait aucune game en standard 2020. Les decklists que j'ai créées sont purement spéculatives sur le méta. Ah, là, il y a une carte que je peux pas utiliser, tiens, c'est étonnant. Ah bah oui, forcément, il y a les landes que je peux pas utiliser. Attendez, on va corriger ça tout de suite. Forcément, ça va être plus compliqué sans les landes. J'avais pas réfléchi à ça. On va s'en sortir, hein, vous inquiétez pas. Alors, on a pu garder cela, ça c'est cool. On va se faire plaisir avec Temple de la Révélation, déjà. On va même crafter celui qui nous manque. Voilà, ça c'est fabriqué direct. Ok. Ok. On va fabriquer des magots lugubres, c'est quand même dingue, hein. C'est un comble. Et puis là, on va mettre un marais et une île, je pense. Une montagne plutôt, pardon. Ok. Bon, la base de mana, elle est faite, comme on le dit, avec le cul, hein. Voilà. Alors du coup j'ai deux decks à vous présenter. Grixis Réanimation, parce que en gros je voulais essayer de jouer Grixis et je me suis rendu compte que c'était assez difficile sans Nicole Bolas à 4. Cependant, il y a quand même un plan de jeu qui a l'air de bien marcher. C'est le plan de jeu Fêtard de Rixmadi, Lich en Grimoiré, Lien de Réanimation, Dracusette. Donc sur du BO1, c'est assez difficile à disrupter. C'est un powerplay qui est quand même assez puissant. Ça devrait être plutôt fort contre la plupart des decks. Donc on peut tenter ça. Ça peut largement le faire. Je dois être niveau 79 de mon pass. Donc voilà. Je pense que ce plan de jeu, en tout cas, il est possiblement viable. On joue plein de bonnes cartes. Fin de la Légion, effacement dépensé, sauvagerie d'Angrath pour la gestion. Nicole Bolas parce que ça fait les games tout seul. On a Devras évidemment parce que je pense qu'il y a très peu de deck contrôle dans ce format-là. Et puis après, bon, la base de mana, c'est un peu le problème du deck. Elle n'a pas l'air très très saine. Ce que je peux vous proposer d'autre aussi, qui a été très simple à builder, mais c'est le genre de deck que j'adore piloter, vous le savez. C'est une version Bantramp Rotation Proof, on en parlait beaucoup. On vous a dit dans notre vidéo Rotation Proof avec PL que Bant était vraiment un deck qui passait très très bien la rotation. Et ben j'espère vous le prouver dans cette vidéo, tout de suite, en jouant ce deck-là. J'ai joué deux Chevaleurs de l'Automne parce que j'ai cru comprendre que la méta était assez basée sur Mono Rouge, Calamity et Porte, avec Ravnica, Guildgate, hein. Donc du coup Chevalière, ça permet de péter l'enchantement des decks portes et ça permet de péter Calamité, ça permet de gagner des PV. Ça me paraît être peut-être un must-have de ce format-là. J'en rajouterai même peut-être une troisième si l'envie s'en fait sentir. Voilà, pour jouer ça, on a queuté dans les adjointes et les Teferi, qui sont quand même beaucoup moins utiles que dans les versions que dans les. Dans le méta BO3 standard classique. On va tenter ça. On va tenter ça. Et puis on en reparle juste après quoi. Je pense qu'on va commencer par Bent. N'en déplaise à Anubest, je suis désolé. Je joue Simic avec une autre couleur. Salut Hunta. Ah, écoute, ça va très bien, Team 4L et toi? Jouons. C'est parti. Oh, je vois que Dracusette, ça plaît aux gens. Hein. Ça se voit que t'as pas joué, t'as encore tes 3-4. Ouais, j'ai pas joué, effectivement. «
Pourquoi la fin de la Spark TV me demande AKV81? Alors déjà, tu peux regarder la rediff de stream si tu veux des compléments d'information, parce qu'on a tout annoncé hier soir avec Pierre-Louis, et puis sans rentrer dans les détails, on a quand même bien bien expliqué ce qui s'est passé, entre guillemets. Et pour essayer d'être le plus simple et concis possible, il faut savoir qu'une web TV... Il faut avoir le sens des réalités quand on ouvre une web TV. On l'avait probablement pas, parce que l'euphorie du moment de lancer une TV communautaire, rassembler les gens sur Magic Arena, c'était un petit peu notre idée, nous fédérer autour du jeu. Et en fait, sans structure professionnelle, sans investisseurs, sans fonds, c'est-à-dire sans somme d'argent qui peuvent rémunérer tes streamers au début au moins pour lancer ta TV et compagnie, et ben en fait c'est très très difficile de tenir une TV. On n'a pas de patron, donc la gestion interne est forcément toujours pas évident, même si on s'entend tous très bien, on n'est pas forcément tout le temps tous d'accord, faut tout le temps chercher à se mettre d'accord. Comme il n'y a personne qui tranche les débats, ben c'est beaucoup de temps, donc beaucoup d'investissement. On n'arrive pas à payer nos streamers correctement, hein, faut le savoir, la Spark TV n'a jamais été rentable, il n'y a aucune personne qui a réussi à toucher ne serait-ce que la moitié du SMIC sur ses heures de TV, et ça pour des gens qui travaillent à côté ou alors justement qui ne travaillent pas pour la Spark TV, bah, c'est pas possible, on peut pas continuer à faire marcher une TV comme ça, voilà, il n'y a aucune web TV qui fonctionne comme ça, hein. Une web TV doit être au moins rentable, voire si elle n'est pas rentable, elle doit être la vitrine de quelque chose, et donc du coup il doit y avoir des investisseurs qui investissent de l'argent derrière pour pouvoir la faire continuer à prospérer en tout cas. Donc voilà, c'est pour y a pas une seule raison qui fait que c'est pas que ça marchait pas, ça marchait à son échelle la Spark TV, et on est très fiers d'avoir lancé un peu l'initiative de tout ça, c'est un espèce d'élan communautaire, on a réussi à fédérer, rameuter un petit peu toute la communauté française autour de la Spark TV, c'était très bien. Mais voilà, la marche était un peu trop haute, on avait des ambitions plus grandes, on aurait peut-être aimé intéresser des investisseurs, des structures professionnelles et peut-être faire des choses plus grandes, et malheureusement, on n'a pas ni le temps ni l'argent de faire plus que ça, et plutôt que de voir la TV décliner doucement, on préfère se quitter de manière aussi sainement que ce qu'on a lancé la TV, et puis voilà, puis il y a plein de choses de toute façon. Il faut voir que dans le monde, la réalité d'une web TV, je pense qu'il n'y a aucune web TV amateur comme on l'a fait en fait. C'est-à-dire que amateur, sans structure administrative, sans structure juridique, sans manager, sans directeur de planning, sans directeur artistique, sans sponsor, sans... C'était déjà une utopie en fait. La Spark TV, ça fait que 5 mois que c'est une utopie. Et tant mieux, on est tellement heureux que ça ait pu fonctionner ne serait-ce que 5 mois. Mais voilà, on arrive au terme. Et puis on va tous continuer l'aventure, tous ensemble, mais chacun de notre côté, quoi. Ça va juste pas changer. Ça n'a pas changé la dynamique qu'on a mis sur le Magic Arena Game, entre guillemets, sur Twitch, Magic Arena Game FR. C'est juste que chacun va récupérer sa chaîne et puis voilà, tout simplement. Je pense que j'ai été assez assez clair, oui et non. C'est toujours difficile d'être très très clair parce que, c'est, comme je le dis, déjà la Spark TV, c'est, quand je dis que c'est un échec, c'est pas du tout un échec parce qu'on a beaucoup appris et on a kiffé essayer. Et donc du coup, on a un gain d'expérience qui est incroyable. Donc c'est pas un échec en fait, c'est une prise d'expérience, la marche était trop grande, en fait on a rêvé, on a rêvé très très haut, on a été très ambitieux tous ensemble à monter la Spark TV, et puis voilà, la réalité nous a un peu rattrapé et nous a dit bon bah les gars, la prochaine fois que vous voulez monter une web TV, bah assurez-vous d'avoir des investisseurs, une structure juridique, une structure professionnelle, voilà tout simplement en fait, c'est assez basique ce qui s'est passé quelque part, voilà, c'est toujours difficile à expliquer, j'essaye de trouver les mots les plus simples et les plus justes pour vous faire passer le message clairement, mais voilà, c'est pas toujours évident. J'espère que ça répond à vos questions, quoi. Du coup, la TV s'arrête, Donny de la Jungle, malheureusement. Je sais que vous êtes tous déçus, alors pour tous les gens qui sont extrêmement déçus, et je vous comprends, je veux pas... remettre en cause votre déception et vous dire les gars, je comprends, les premiers déçus c'est nous,
faut savoir le nombre de temps. C'est d'un chronophage, une TV, vous n'avez pas idée. Enfin, c'est énormément de temps d'avoir géré ça de manière amateur, mais vraiment énormément. Est-ce qu'on tue Omnath? Je crois qu'on tue Omnath. Et les premiers déçus, c'est nous. Voilà. Vous imaginez pas à quel point ça a été une décision difficile à prendre, à annoncer. Ça a été tellement difficile que la décision a été prise ce week-end et qu'il était hors de question de ne pas le dire dès le premier jour pour pas que les gens continuent à sub et pour pas vous décevoir plus. C'était vraiment en mode, quitte à décevoir les gens, je veux que ça soit fait directement. Parce que c'est pas possible, on peut pas tricher, on a besoin d'être full transparent. Je peux vous dire qu'en termes d'angoisse, je le disais à Pierre-Louis, avant de lancer le stream de hier soir et de vous annoncer la fermeture de la TV, j'avais autant d'angoisse que de mettre mon premier pied chez Solary ou mettre mon premier pied chez Webedia. Et c'est peu dire en termes de stress, enfin voilà, c'est pour comparer, c'était vraiment un très très gros stress, on appréhendait beaucoup. Donc je comprends votre déception. J'essaye pas de la minimiser, je vous dis juste qu'on est tous dans le même bateau et qu'on continuera tous à faire de la belle magie tous ensemble. Quelqu'un va-t-il demander à Nightbot d'arrêter de demander de sub? Ouais, il va falloir qu'on arrête ce putain de Nightbot, j'avoue. Ok, lui il est vraiment en train de me caguer dessus, hein, mais fort fort fort. Hein. Ouais, il m'a déjà mis un emblème. Il a un board complètement inarrêtable. Ouais, je ne battrai pas cet homme. Je ne battrai pas cet homme, j'accepte. Tu vas chez Solary. Alors pas du tout Charlie 31. J'expliquais juste en comparant que mon niveau de stress était très très élevé au moment de mettre notre premier pied chez Solary avec PL parce qu'on a été invité chez Solary pour caster le Mythique Invitational en mars dernier. Voilà, c'était quelque chose qui était extrêmement stressant. Voilà, on a déjà mis les pieds à Solary, c'était un très bon événement et il y aura pas d'autres Solary, non. On ne va pas chez Solary, pas du tout. On ne re-rentre pas dans une TV en fait, on repart en indépendant comme on l'était avant la Spark TV sur notre chaîne qui s'appelle Val PL Mafre sur Twitch. Ok, regardez cette main. Cet événement est vraiment nul à Yesh. Écoute, c'est ton avis. Moi, tu sais ce que je pense des événements non compétitifs, non ladderesque. En général, je suis pas trop fan. Mais celui-là, un vrai intérêt parce qu'il te laisse entrevoir, entreapercevoir des possibilités du standard de septembre. Et on va dire pour un événement, vous me connaissez, je fais pas du tout les événements d'habitude. Je le trouve plutôt intéressant. Voilà, pour être tout à fait honnête. Merci beaucoup, s'il a vérifié, tel boss. Tel boss. Vous pouvez tous aller follow ValetPL sur Twitter, n'hésitez pas. Hein. Sur Twitch, pardon. La chaîne existe déjà, on faisait déjà beaucoup de live avant la Spark TV. Les subs sont déjà activés parce qu'on était déjà partenaire avant ça. Donc, il n'y a aucun problème. Tout est prêt. Vous pouvez y aller. Ok. Oh, je sens que Tolsimir, lui, ça va pas lui faire du bien. Ah, Xor, c'est dommage, tu viens d'arriver peut-être 5 minutes après que j'ai réexpliqué un petit peu les raisons de la fermeture. Et encore une fois, je vais pas répéter toutes les raisons, tu pourras regarder et la rediff. Et la vidéo qui sort demain, mercredi à 14h, et la rediff d'hier soir aussi, où on parle de toutes ces raisons. Mais il n'y a pas une vraie raison, c'est une conjoncture de mille raisons qui font que malgré que l'expérience était incroyable, et ben on est obligé qu'elle s'arrête maintenant, quoi, tout simplement. Ça, c'est à l'initiative, hein, ce bordel, ok.
Écoute, chose 3T3, sur quels événements tu peux espérer nous rencontrer? Ça va être très très simple. Tu vas pouvoir nous rencontrer au GP Lyon. On a déjà pris nos billets, donc c'est annoncé. Nous serons au GP Lyon le week-end du 1-2-3 novembre. Et il y a de grandes chances, c'est en discussion là actuellement avec Magic Bazar, comme nous sommes sponsorisés officiellement par Magic Bazar. Il y a de grandes chances que nous soyons présents à Magic Bazar pour les AP du 27 et 28 septembre à Paris. Donc voilà, si jamais. C'est confirmé, ce n'est pas confirmé, attention. Si jamais c'est confirmé, nous l'annoncerons, histoire de pouvoir rencontrer la communauté sur place, évidemment. Ah, Cavalcade, ça a l'air bien d'être ça a l'air d'être bien dans ce format, dans cet événement. Donc j'imagine que si le deck est fort, bah, les gens le jouent en fait, il n'y a pas trop de secret quoi. Pourquoi s'emmerder quand tu sais que tu peux jouer un bon deck? D'ailleurs, j'ai Chevalière qui va attendre bien patiemment la cavalcade là. Ça va le faire. Ça va être bien. Fermeture définitive, Drizzt. Et je sais que ça défonce Quentin Lamprouge parce que j'imagine qu'on se croisera là-bas. Puisque j'ai vu ta petite mimine sur les photos de l'après-midi commander sur à Magic Bazar. Ça va, Funky. J'espère que Maybe pourra me dédicacer à Nexus. Moi, ce que j'adorerais, un de mes rêves, hein, vraiment, vraiment, ça me ferait extrêmement kiffer, ça serait de dédicacer un Nexus à Nubest Amidarax. J'aimerais énormément. Non, le Discord ne va pas être supprimé, Donny de la Jungle. Ça reste un petit peu la réunion de tous les gens qui ont participé, qui ont fait évoluer la Spark TV, parce qu'encore une fois, on l'a beaucoup dit hier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas refait mention, mais la Spark TV, c'est aussi surtout vous. Vous avez beaucoup, beaucoup apporté, vous nous avez suivis, en fait, dans tous nos délires, dans nos rêves de grandeur, hein, avec la Web TV. Et donc, du coup, ce Discord-là était un peu un point de rendez-vous, où vous vous êtes peut-être fait des amis, des connaissances. C'était un Discord qui était assez actif, donc il n'y a pas de raison, pour moi en tout cas. Pour ma part, il n'y a pas de raison de le fermer. Au contraire, s'il peut continuer à être un lieu d'échange et de plaisir, bah kiffez quoi. Il y a aucune raison pour moi de fermer ce Discord. Exactement. Même si la TV ferme, c'est ce qu'on a cessé de répéter hier soir. L'étincelle brûle toujours. La Spark, c'est surtout devenu une communauté, en fait. J'ai une façon de penser, mais non. Voilà, je suis pas non plus Jean-Claude Van Damme, mais. Voilà, c'est devenu une communauté. Ça, le mot était bien choisi, je vois pas pourquoi je cherche un synonyme. Imoteka avec Cavalcade, je crois pas, moi. J'ai deux tokens Lifelink. Il me met 1, 2, 3, 4. Il met 12, 13. Je sais pas s'il est OTK, je crois pas qu'il est OTK. Il me semble pas. Il me semble pas qu'il puisse m'OTK. D'ailleurs, s'il fait ça, c'est lui qui est mort derrière. Donc, même s'il fait cavalcade ici, il doit être tout off. J'ai pas compté, mais. Mais ouais, par contre, j'aurais dû garder le Pacer. Effectivement, c'est une erreur. J'aurais dû garder le Pacer parce que j'avais pas calculé qu'il pouvait m'OTK. Pour moi, il était assez loin de l'OTK en fait. Il est tout off, donc c'était un peu tricky, effectivement. Ouais, il fallait garder le Pacer. Vous avez raison, bien sûr. Mais il a quand même pas le létal. Ah bah, il l'a surtout pas.
crois que je suis obligé de chevalière parce que Frénésie, ça peut lui trouver sa cavalcade. On va annihiler tous ces délires, je pense. Ouais. Si on peut faire une IRL. Écoute, si t'es au GP Lyon, je te signe un Nexus, Noobest. Sans problème. Juste pour que tu sois obligé de garder la carte. Bien sûr qu'on va continuer à streamer dans nos coins et tous les acteurs de la Spark TV, c'est très important de retenir ça, c'est que personne n'arrête le stream. C'est seulement la Spark TV qui ferme ses portes, mais Toumaï et Maybe vont continuer à streamer de leur côté. Kawa va repartir sur sa chaîne qu'il avait avant. Nous, avec PL, comme je l'ai dit, notre chaîne est déjà active, prête à être follow et même elle est déjà partenaire, donc vous pouvez déjà sub à la chaîne. Donc ouais, tout le monde va juste streamer sur sa chaîne. C'est une bonne main, mais j'aimerais bien du bleu, quoi. Ça manque de bleu, hein, parce que là, si je fais paisseur, tac, tac, en vrai, le tour d'après, bah, si je pioche pas un bleu, je fais ni récif, ni Teferi, quoi. Ouais, Maybe s'est créé une chaîne Twitch. Il y a une vidéo demain qui sort à 14h sur Valet PL sur YouTube qui pubera toutes les chaînes Twitch des différents acteurs de la TV, bien sûr. J'ai oublié Magic Sechik. Oh, je suis le pire. J'ai oublié Magic Sechik alors que c'est les bros, c'est les potos Magic Sechik. Mais oui, Magic Sechik continuera bien évidemment ses masterclass et continuera aussi à streamer. Ne vous inquiétez pas. Quelle erreur. Bien sûr qu'il s'est créé une chaîne Twitch, le Maybe. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé de les avoir oubliés, c'est les boss. Ah, je sais pas ce qu'il joue, mais ça c'est une bonne carte, hein. Je vais garder moi ça. Alors ce band ça fonctionne. Écoute, 1-0 pour l'instant. Donc, non, un partout, mais là 1-0 sur ce run-là. Ah bah ça c'est clair et net que vous aurez pas de drama sur la Spark TV. On tenait absolument à faire honneur à la communauté géniale que vous êtes et on aurait été bien déçus de se quitter sur un drama sur des ouais, c'était hors de question que ça se finisse comme on a pu le voir sur d'autres web TV, évidemment. Mais je pense que si vous nous connaissez, vous vous doutiez que c'était pas le genre de la maison quand même. Après, c'est aussi pas la même grandeur. Faut voir aussi à l'échelle de ce qu'était Arma Team. Pour le coup, là, il y avait des patrons, il y avait. Alors, je veux pas non plus comparer ce qui est pas comparable. C'était beaucoup plus facile d'avoir du drama et des choses à raconter sur une aussi grosse structure qu'était Arma que sur Aspark TV. Forcément, on est plus petit, donc il y a quand même moins à dire, forcément. Je sais pas si j'ai pas envie de perdre mon hydre, du coup, parce que perdre mon mana, là, c'est quand même problématique, hein. Vu que j'en dispose pas de beaucoup. J'ai bien fait, hein. Je suis plutôt rewardé là d'avoir gardé cette druidesse. Ça fait plaisir ça. En plus, elle passe à travers le contre. C'est un régal. Je suis très heureux.
Je peux péter Narset, je peux aller mettre 2 points, ou alors je peux m'offrir Chevalière. Je crois que Chevalière, je dois pas le jouer parce que ça peut tuer une recherche d'Askenta par exemple. Ouais. Ah, j'ai pas envie de rentrer dans une Vrasse en commettant plus de board, donc je crois qu'on va juste rester comme ça et je vais proposer 2 points dans sa tête. On va faire ça, ouais. Ok. Donc lui il joue Grixis contrôle, hein. Un vrai Grixis contrôle. Ok, 2-0. Allez. C'est bon, on a gagné un peu d'XP du coup. C'est ça, il faut faire juste des enchaînements de deux victoires, il me semble. Ok, super. Récupérer ma récompense. Je prends. Ok. Et ce, à l'infini, du coup, on gagne 200 d'XP à l'infini. D'accord, très bien. Bah écoutez, on va continuer. Cette fois, on va tester le Grixis, ok? Let's go. Ah, écoute, Zeobrick, c'est pas prévu d'aller à Toulouse pour l'instant, mais si un GP Toulouse un jour, déjà, tu nous verras, il y a de grandes chances. Après, quelque part, Lyon, c'est un peu le sud. Moyen, mais bon. Et je sais que vous nous accueillez comme des rois. On est toujours accueillis comme des rois de toute façon. Hein. Vous êtes toujours les boss. Vous êtes toujours adorables avec nous. Donc je n'en doutais pas, évidemment. Oh, c'est une belle main, ça. Oh, c'est une belle main, ça. On va se faire plaisir avec cette main, quoi. On a le meilleur play du standard en plus, quoi. Mais vraiment. Hein. Ah, tu sais quoi, je garde. On a le meilleur play du standard, c'est effacement dépensé tour 2. Qu'est-ce qu'on s'en cague? Regarde ce qu'on va y faire à l'ami incognito là. Il va pas rester incognito longtemps, tu vas voir. Hop là. Fais voir ta main. Elle est plus du tout incognito ta main. Ok, tout ça c'est bien bien cher. Je lui enlèverai bien Récif, hein, là dans un premier temps. Tout le reste on verra plus tard. Là je vais lui enlever Récif. Je vais garder Solande. Ouais, faudrait pas qu'il trouve un land sur sa spirale de croissance. Ok, il l'attend pas, il a raison. Il essaye d'enchaîner ses land drops et c'est tout à son honneur. Dracusette. Dommage. Oh, ça c'est pas très bien ça, on va s'en débarrasser du coup. Donc le deuxième exemplaire est pas incroyable quoi. Alors, on va d'abord attaquer, je me permets. Merci bien. Je pourrais même défausser ma main à repiocher 3, mais ma main est bien donc j'ai pas envie de faire ça. Je vais pas payer le spectacle, je vais juste faire la kappa de manière tout à fait fluide. Ouais, j'ai jeté mon troisième land noir parce que j'allais piocher trois cartes avant de re pouvoir rejouer Nicole Bolas, plus une quatrième avec mon cinquième tour. Plus là, je vais voir une carte supplémentaire avec l'effacement dépensé, mais ça, c'était pas prévu dans les calculs. J'imagine que je retrouverai un land noir. En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Mystique à jabot. Normal, classique. Druide T2 et Récif. Moi je préfère, si Druide ne m'accélère pas dans Nissa ou quoi, je préfère garder le Druide pour trigger sur Récif. Ah, mes calculs sont pas bons, non. Je fais des Nexus dans mon deck. Calculs sont pas bons, mais attention.
Je peux proposer un trade là. Allez, en dessous, ça dégage. Ah, on prend Nissa, putain, je bottom alors qu'on prend Nissa. Fait chier, quoi. Fait chier, fait chier. Bon, on peut toujours Nicole Bolas et bloquer le token pour bloquer le token en phase d'ad sur sa phase d'attaque avec notre fêtard, mais mince, quand même, c'est un peu triste. C'est un petit peu triste. Ah, on peut pas caster Nicole Bolas. Je suis obligé de faire lien de réanimation sur la Lich en grimoiré. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas un play incroyable. Hein. Ouais. Pas fifou, hein. Ok. Alors, Incognito D, qu'est-ce que tu vas me jouer là? Parce que là maintenant, il peut me faire agent de traîtrise et me voler de la merde. Après, s'il sait que j'ai Bolas en main, il ne le sait pas. Mais admettons, vu qu'il m'a vu en défausser un, il peut en déduire que j'en ai un deuxième. Il pourrait me piquer un land noir, ça paraîtrait être un bon play. Après, je pense que son play, ça va juste être de faire une grosse crasis et me outplay totalement. En fait, il va pas me outplay, il va me outvalue. Il va faire tellement de value que je pourrais pas revenir. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer, quoi. Malheureusement pour moi. Après, on dira que c'est pas totalement fini, quoi. Le problème, c'est que c'est la peste ou le choléra. Si je tue pas Nissa, je vais décéder sous les coups de 3-3. Si je tue pas la Krasis, bah, elle me tue en 3 phases d'attaque. C'est rude, hein. Je crois que j'ai pas moyen de revenir d'un truc comme ça. Si ce n'est. Si je peux trouver rituel de suie. Je peux trouver rituel de suie. Allez, on va tenter ça. De toute façon, on en est. Je peux faire un land aussi. Pas très bien. Ok, pas de rituel de suie. Concede. J'aurais pu attendre d'avoir une draw supplémentaire, mais on va juste gagner du temps sur une game qui est quasiment perdue. Là, il pouvait agent de traîtrise et prendre mon bolas. Donc même si je trouvais rituel de suie, j'étais quand même derrière. C'est pas grave. On est reparti, on va essayer de faire deux victoires avec ce deck là. Et puis on sait pas, peut-être après on ira builder un autre deck ou quoi. Franchement j'aime bien là de devoir créer, de devoir un petit peu faire soi-même la méta. Il doit y avoir des trucs vraiment fun à faire dans ce format rotation proof. Je suis sûr qu'il y a des trucs bien à faire. Bon appétit à toi, Guts le Berserk. Bah pareil, lui, on va lui faire effacement dépensé tour 2, mais là, on a vu que ça n'a pas suffi à gagner dans ce format, donc... Oh, je pense que là, ça va le faire quand même. Non, j'ai pas essayé de faire de deck avec les nouvelles cartes d'Eldraine, pas encore. Écoute, Noobest, je viendrai avec plaisir si j'en ai la possibilité. Après, moi, je suis plus habitué à la Méditerranée, tu vois. Genre, ça fluctue beaucoup moins, quelque part, que l'océan. Ok, donc lui, il joue un deck déjà qui... On va dire qu'il commence à me plaire, le monsieur. Déjà, il commence de manière véhémente. Crois qu'il faut que j'enlève ça et que je trouve une Vrasse. J'ai pas d'autre choix. Oh, ça c'est bien ça. Ah ouais, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est pas mal. On va le saucer, vous allez voir. Oula, j'ai failli tout casser là, derrière. Oh mon Dieu.
Ouais, c'était pas ouf les cartes à gagner avec l'Event Brawl. Hein. Et vous savez que moi les events je les fais pas en général. Je les fais pas, sauf exception comme celui-ci. En général, c'est pas trop mon dada les événements. Allez, j'ai plus que deux tours à tenir et on sera bien. Allez, par contre, si top deck aussi, le mec il chatte de ouf, t'es. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, péter aigle. Je sais même pas si ça suffira quoi. De péter aigle. Péter aigle. Faut que j'aille chercher un land. Hein. Ouais. Oh, ça me fait payer 2 points de vie, quoi. Quelle horreur! Ouais, c'est pas grave, hein. Ok, on termine le tour. Il y avait le Général Knight et le reste. Ah ouais, vous pensiez que c'était le Général Knight qui était le plus fort dans l'événement? J'ai trouvé que la version Bant était ok et l'Esper était plutôt pas mal. J'ai trouvé par contre que Korvold était un peu en dessous. J'ai pas fait l'événement énormément, mais on a tourné une vidéo avec PL où on a un petit peu testé les decks. Ça sort demain soir à 17h. Et du peu d'expérience qu'on en a, le petit recul qu'on en avait, ça paraissait se dessiner comme ça. Peut-être qu'avec beaucoup plus de games, en fait, le Général Knight était plus fort. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti sur les games, en tout cas. Ouais, on va tester plein de setups XOR. Le but, c'est qu'à terme, ça soit le plus digeste pour vous. Vous inquiétez pas, ça, c'est notre problème. On gère. On gère, on fera tout pour que ça soit très très bien. Vous inquiétez pas. Je suis obligé de passer à 2. Si je passe à 2 avec Dracuset et que je mets 1-1-1 ici, je meurs sur le retour de la phase d'attaque. Ouais, je suis mort. Ok. Eh ben tant pis. Bien joué. On est mort juste à cause des tokens du petit Dovin. Je sais pas s'il y aura tant de decks tribaux à la sortie de Throne of Eldraine, je suis pas certain. Alors, il y a Reisdoe qui me demande pourquoi je quitte la Spark. Alors, très très important. Je ne quitte pas la Spark. Oh, mais on a gagné un PV! Ah, mais on est vivant! On est vivant! Attention, on est vivant! Ça, c'est important. C'est important que les gens sachent que nous sommes vivants. Je vais le crier partout. Hein. Je ne quitte pas la Spark. Et PL et moi ne quittons pas la Spark. La Spark ferme ses portes. C'est-à-dire que nous sommes fondateurs de la Spark. Ah ben ouais, mais s'il a tout aussi. Il en avait trois. Nous sommes fondateurs, cofondateurs avec Davido David, Kinadin, Kawa, Maybe, PL et moi. Nous sommes fondateurs et la Spark ferme ses portes. Il n'y a plus personne qui restera sur la TV après. Allez, on teste encore une fois Grixis parce que j'y crois, j'ai envie d'en voler une quoi. Ah, lag? Merde. J'espère que ça lag plus, hein. Ok, ça va. Merci. Salut Eltainos. Donc du coup, voilà, on quitte pas la Spark. La Spark ferme ses portes vendredi à 19h. Bien sûr, la chaîne va reprendre comme avant. On va sûrement garder à peu près les mêmes horaires qu'on fait actuellement là sur la Spark TV. On s'interdit pas de lancer des lives sauvages, comme on les appelait à l'époque. Ça sera des lives qui ne seront pas annoncés. Mais sinon, pour le planning, ça sera le même à peu près qu'on fait sur la Spark. Et il y aura le Rossmoi si tu peux, qui est notre nouveau concept phare du lundi soir,
qui sera du coup juste déplacé sur ValetPL. La chaîne Twitch est toujours active, elle est toujours partenaire. Vous pouvez toujours sub et vous pouvez toujours follow. Je le précise. On l'a déjà expliqué plein de fois et j'ai pas envie de rendre ce stream extrêmement indigeste, Sirko. Je l'ai expliqué en début de stream, je l'ai expliqué hier soir, on a fait l'annonce. Il y a une vidéo qui sort demain à 14h qui expliquera aussi pourquoi. Très grossièrement, gérer une web TV de façon amateur, sans investisseur, sans fonds, sans sponsor, c'est une utopie. La Spark TV a été une belle utopie pendant 5 mois et malheureusement, il est temps que ça s'arrête en fait. C'est un petit peu un triste retour à la réalité et c'était une très belle parenthèse dans notre vie de créateur de contenu, dans notre vie de streamer et dans notre vie de magicien. On l'oubliera pas, on y a pris un énorme plaisir, mais c'est la fin. Voilà, tout simplement. Il y a 1000 raisons qui font que la Spark s'arrête, mais la raison principale c'est ça, c'est le temps que prend la gestion d'une web TV, le temps, l'argent que ça demande aussi. Voilà, personne n'était payé à sa juste valeur pour les heures streamées. La Spark n'était tout simplement pas rentable en fait, tout simplement. Non mais là après je comprends Funky, on est dans un setup particulier avec une annonce particulière, donc je comprends qu'on réponde tout le temps aux mêmes questions. Là ça me paraît logique, ça me paraît logique, j'accepte. En tout cas, c'était le but, Octopus, de donner du plaisir. C'était le but de surtout de réunir la communauté, qu'on puisse tous se donner de la visibilité, qu'on puisse avoir essayé d'instituer un élan commun. Et ça, pour le coup, pari relevé, quoi. Vraiment, je suis persuadé qu'on a réussi à faire ça. Et que même si la Spark ferme, comme on l'a déjà dit, le concept, la communauté reste. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas perdu. Vraiment, la Spark, c'est. Y a un très beau message dans le chat tout à l'heure que quelqu'un a dit. C'est un échec, effectivement, mais c'est la réalité qui a fait que ce fut un échec. Mais c'est pas du gâchis. Voilà. On a tous beaucoup appris. Ça nous a tous beaucoup servi parce qu'il y a plein de streamers qui m'ont connu parce qu'ils suivaient un autre streamer. Et inversement, il y a plein de streamers qui ont connu d'autres streamers parce qu'ils nous suivaient nous. Et voilà, tout ça, c'est bénéfique. Tout ça, c'est bénéfique. On regrette rien. C'était juste extrêmement cool, extrêmement bien. Et voilà, juste toutes les bonnes choses ont une fin. Quand on n'est pas capable de les entretenir, et nous malheureusement, on n'est pas capable d'entretenir la Spark TV. Micro lag, eh hey, mince, fait chier. Ouais, j'ai pas encore vu tous les commentaires, Tacostacle, mais comme c'est moi qui m'occupe des commentaires et qui réponds à tous, effectivement, je vais devoir voir les commentaires des gens aigris et énervés qu'on quitte la Spark. Quelque part, je peux les comprendre. On est très triste de l'annonce et il y a des gens qui, je sais pas, se sont peut-être investis, ont peut-être sub et sont déçus. Donc, écoute, je leur répondrai calmement et j'essaierai de leur expliquer les choses. Voilà, tout simplement, c'est pas grave. Ok. Crypte de ça. Vous avez vu ce bug? Elle s'appelle Crypte de ça. Je trouve ça incroyable. Est-ce que... What the fuck? Oh, j'ai envie de screen. Hop là, ça c'est screen. Let's go. Il y a un com qui est pépite. Ah bah j'irai lire. Franchement, vous me faites peur. Hein. Franchement, je pensais passer une bonne soirée. Il y a Maybe et Rémi Fortier juste après. Je suis un peu déçu d'avoir des com pépites à gérer là. Crypte de ça, quel plaisir. C'est incroyable. Allez, bonne soirée, Quentin Lamprouge. Merci d'être passé. Merci beaucoup Sylla Vérifiable. Effectivement, c'est ce qu'on pense aussi. Tous ceux qui ont sub nous ont soutenus et on a tout fait pour que ça marche. Et donc du coup, c'est effectivement pas de l'argent perdu. Mais voilà, je sais comment peuvent penser les gens, malheureusement.
Ça, on peut le gérer facilement. Ça, c'est plus emmerdant quand même. Ah, j'aime bien quand même, parce que si on trouve un Dracu7, on va kiffer, hein. Ah, je garde. Franchement, je garde. Je garde, je garde. Donc ouais, la Spark TV ferme ses portes, mais tous les autres streamers vont pouvoir continuer à streamer chacun de leur côté. J'ai vu une question qui passait dans le chat et qui demandait si on allait streamer les uns sur les autres. On n'a aucune obligation, chacun fait comme il veut, hein. Justement, le but de repartir en indépendance, c'est qu'on est tous indépendants. Après, j'imagine qu'on essaiera de s'arranger, mais il n'y a pas d'obligation si demain on doit streamer les uns sur les autres. Ça pourra arriver en tout cas. Effectivement, on le fera le moins possible, mais c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver. Par contre, c'est pas interdit qu'on fasse des streams ensemble, qu'on continue à partager. Ça c'est fort probable. Merci beaucoup pour votre soutien et vos commentaires. Bon, lui, il nous joue un truc un peu sexy quand même, Phoenix. Donc, je relève la sexitude de son pack quand même. Il peut la faire grossir combien? Et derrière, lui, il peut trade comme ça. Du coup, je redéfausse pas. Bah, vas-y, je te trade. Je te trade, mec. Je m'en cague. Voilà. Vilain, là. Salut, Limang. Eh ouais gros, fallait pas attaquer, tout simplement. Ouais. Pour l'instant, on fait un peu rien quand même. Non, Dot Duo avec PL, ça bouge pas du tout. Alors, vraiment rien à voir. S'il y a bien un truc qui bouge pas et qui bougera sûrement jamais, c'est bien ça. Ne vous inquiétez pas. Genre, même notre activité sur Twitch, ça ne bouge pas. Genre, chaque streamer va reprendre le nombre d'heures qu'il veut sur ses propres TV. Et nous, on fera pas moins d'heures sur Valet PL que sur Spark TV. Soyez-en sûrs. Ne vous inquiétez pas. Y a un tricks ou. Il n'y a pas de tricks. Bah, s'il n'y a pas de tricks, vas-y, hein. Let's go, on se trade. On se trade, mon pote, il n'y a pas de problème. Ah putain, mais c'est vrai que je peux pas jouer. Je peux pas jouer Nicole, quoi. Oh, fait chier parce que là, si j'aurais fait Nicole ce tour-ci, il pouvait pas taper dedans avec son token, quoi. Là, on va se prendre un cavalier des bourrasques. Non, il n'a pas la troisième île. Je crois qu'on a un intérêt à rituel, histoire d'avoir seulement un 1-1 en face et pouvoir faire Nicole. Ça paraît un peu nul, mais je pense que c'est le play. Parce que le tour d'après, on voudra pas rituel, on voudra Nicole, quoi qu'il advienne. Donc on va se faire ça. Ça me paraît bien. Ouais, c'est vrai, mais je vous assure que PL va me rosser les lundis d'après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Comme dirait Ribéry, la roue tourne va tourner. Hein. Soyez-en sûrs. Y a pas de problème, Ziobrika. Si vous avez tous un pyromancien dédaigneux à dédicacer, moi je vous le signe solide, hein, vraiment. Ouais, du coup, il a trouvé son île, hein, ce vilain, quoi. Quel vil personnage. Je suis obligé de faire Nicole Bolas et de lui péter cavalier, quoi. Il va juste le remélanger derrière, c'est ça? Tiens, en plus il va scry 2, il fait un token.
Ouais. C'est grave chiant en vrai de devoir faire ça parce que je donne Nicole quoi. Pourquoi tu ne joues pas Bantrampe? Eh bien parce que je l'ai joué avant, que c'était fort et que je préfère jouer des decks pas forts. Voilà, j'essaye de m'amuser avec ce deck Réanimator parce que j'aime bien la mécanique mais ça ne marche pas. Mais j'essaye, voilà, hein, je build, je teste et des fois on n'est pas payé tout simplement. Et là je suis pas payé pour l'instant. Mais effectivement, si ça commence à trop me les péter, je vais repartir sur Mante, hein. Vous inquiétez pas, ça va vite aller quoi. Ben ouais, on a perdu Nicole. Hein. Ce bon vieux Nicole. N'hésite pas à te puber, MadeBHS. Hein. N'hésite pas à te puber, n'oubliez pas que ce soir à 21h, nous avons Maybe qui se fait coacher par Rémi Fortier. Stream à ne surtout pas louper. Très très important. Ça va être de la qualité. Ça va être de la qualité si vous voulez en apprendre plus sur Magic, sur la technicité, entre guillemets, sur la technique des plays, sur. Voilà, sur Magic en général, n'hésitez pas à regarder ce stream ce soir. Ça va être belle magie garantie, quoi. Je fais confiance à Maybe pour mettre Rémi en difficulté. Je pense que l'interaction va être très très drôle. J'ai un meilleur rank que lui en ladder. Ça ne veut rien dire, Maybe. Je pense que j'ai un meilleur rank en ladder en général que beaucoup de professionnels. Et pourtant, je gagnerai jamais un pro tour, quoi. Je sens que ça va être drôle. Ah, ça va être trop trop bien. C'est trop trop bien. Même, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, beaucoup de théorie, Rémi Fortier, qui s'écoute très très bien. C'est-à-dire que c'est toujours très intéressant de l'entendre. Parler des plays, de l'entendre analyser le jeu. Moi, c'est des contenus desquels je suis extrêmement fan. Hein. Je suis très très fan de J-Rock notamment, parce qu'il est comme ça, il théorise beaucoup le jeu. Et je suis un fan de théorie. Limite, moi, je suis presque plus. Moi, je peux regarder des gens jouer sans jouer. Hein. Genre, je peux passer 6 mois sans jouer à Magic, du moment que je vois des gens jouer, il n'y a aucun problème. Je suis un énorme spectateur, quoi. Ça me va très très bien. Donc, du coup, j'adore voir des pros. Théoriser, expliquer, parler de leur expérience, même tout ce qui va en dehors du jeu, pas forcément le jeu quoi. Les podcasts de Rémi sur leur bootcamp pour le GP, pour le Pro Tour Barcelone, c'est du petit lait pour moi. C'est juste trop bien. Donc ça va être très 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 très, très sympa de le voir coacher Maybe quoi. Et je sais que Maybe, lui, nous mettra la bonne ambiance, évidemment. On se débrouille pour que J-Rock coach cheval. Bah, je suis enfin, presque persuadé que si je le lui demandais, il accepterait, hein, peut-être. C'est vrai que j'ai pas pensé à proposer ça, mais ça pourrait être intéressant. Faudrait que je le lui demande. Après, c'est quelqu'un qui a quand même pas beaucoup de disponibilité. Il stream quand même pas mal, puis bah il doit s'entraîner. Les joueurs MPL, j'ai toujours peur d'embêter les gens moi quelque part. J'aimerais pas l'embêter. J'aimerais pas qu'ils se sentent obligés de dire oui ou quoi que ce soit. Donc c'est pas à l'ordre du jour, mais je m'interdis pas de lui poser la question un jour en tout cas. Non, non, mais il n'y a pas besoin de tweet, hein. Ne lui demandez pas, parce que là, de toute façon, actuellement, j'ai pas de créneau. Et plutôt qu'un coaching en live, moi, si jamais je devais avoir J-Rock ou même d'autres personnes, hein, ou d'autres personnes, ça serait plutôt sur une vidéo pour plutôt parler de l'expérience, de qu'est-ce que c'est que d'être joueur pro, comment on se prépare. Moi, j'aimerais beaucoup faire ce genre de format avec PL, pouvoir recevoir un professionnel en vidéo, jouer avec lui, et avoir plein de petites anecdotes croustillantes sur sa vie de joueur compétitif. C'est des trucs qui me parlent, qui m'intéressent. Plus ça, quoi.
Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à gagner avec ce deck. Donc du coup, on va ressortir Bant si vous le permettez. Qui était quand même vachement mieux, on va pas se mentir. Choix du deck. Envoyez le deck. Ouais, bah justement, les vidéos de Magic, c'est chic quand ils font leur masterclass et qu'ils reçoivent un pro, je trouve ça génial. C'est exactement le contenu que j'aime bien. Et au-delà de ça, moi, là où je voudrais différencier du format, parce que faire... Je vais laisser à Magic c'est chic ce qu'ils savent très très bien faire. Mais ce qu'on aimerait faire avec PL, plus que avoir une deck tech approfondie d'index, que ce que sont les masterclass chez Magic c'est chic, voilà, on n'a pas envie de leur prendre ce concept-là qu'ils font à merveille. Ça serait plus, pas forcément pour parler d'un deck ou d'une perf en tournoi, ça serait vraiment pour parler d'un parcours, de qu'est-ce que c'est, quelle est ta vie en tant que joueur pro. C'est un truc que je kifferais. C'est pas interdit qu'on essaie de mettre ça en place plus tard. Il gagne en réanimateur, lui. Ouais, il faudrait peut-être que je prenne la version à Toumaï, effectivement, vous avez raison. J'irai lui piquer sa liste tout à l'heure, peut-être. Si je relance cet événement hors stream, c'est pas certain, attention. Bah, vous savez que les cosmétiques, si j'ai pas le chat avec les ailes. Je vais pas mal dormir, hein, je vous le dis. Ok. Ouais. Ouais, on est d'accord, hein, maybe. La masterclass sur mono bleu, c'est une des premières masterclass dont j'ai le souvenir de Magic c'est chic. C'est une des premières masterclass qu'ils ont fait, donc celle avec le land Gauthier, Guillaume Gauthier, pardon, le land Palmer. Quand il revenait de son 10-0 au Pro Tour Avnica avec mono bleu, c'était mais incroyable. Next level play, la deck tech était approfondie. De toute façon, le land, c'est quelqu'un qui, pareil, qui a beaucoup de choses à raconter, qui s'exprime très très bien. Et ce que j'adore, déjà moi je lisais déjà ses articles, il faisait beaucoup de reports sur Magic Corporation, donc des reports de tournois, c'est-à-dire il expliquait un petit peu sa vie de joueur compétitif. Et donc du coup il y avait pas mal de storytelling et tout. Donc voilà, au-delà de parler du deck, il savait extrêmement bien parler de sa préparation, de l'envers du décor, de ce que c'est que d'être semi-professionnel. Donc du coup ouais, je valide cette masterclass-là, si vous l'avez pas vue, c'est un peu obsolète maintenant parce que ça parle de mono bleu et mono bleu est plus forcément un deck du méta. Mais qu'est-ce que c'était intéressant à l'époque? Qu'est-ce qu'on avait tous appris des choses? C'était une dinguerie. Une dinguerie. Je valide énormément. Le mec nous avait appris au calme que mono bleu, en fait, c'était pas si défavorable contre mono rouge. Preuve et exemple à la pluie. C'était tellement incroyable. Pouah, puissant, quoi. Puissant, puissant. Ok. Ok, Nissa. Hop là, on va envoyer tout le monde à l'attaque, je pense. Sachant qu'on aura ça en bloc, dans le pire des cas. Et que s'il m'oppose un triple bloc, il n'y a pas de problème, je pense. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc allez, let's go, on y va. On y va tous. Salut Natchoum, comment tu vas? Ok, on va juste pas jouer nos cartes, je pense. Ça sert à rien d'engager ce magnifique bloquant 3-3 pour donner une druidesse qui, elle, va très mal bloquer. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de but. Mon adversaire a un truc à jouer fin de tour. Non, si t'as pas de truc à jouer fin de tour, joue maintenant, Ailey Viper. Ok. Putain, il avait mis un stop à la fin de mon tour pour ne rien faire. Je trouve ça incroyable. Ok, il a dû payer 3, ouais, donc il est vraiment pas bien.
Il est vraiment pas bien. Après, il a facilement un létal sur une cavalcade là à cause de Crasher. Faudrait que j'essaye de trouver une autre gestion ou alors une Krasis quelque part. Ça serait bien. Donc celle-là est imbloquable, c'est ça? Ouais. Donc laquelle est imbloquable? Aucune des deux. Embrocher les critiques, donc dans tous les cas, il pourra nous faire revenir la cavalcade. Ouais, ok. Et là, en fait, va falloir qu'on. Ah, mais non, on a gagné. On a l'étal, en fait, je suis con. Oh, ouais, on a gagné. Pas de problème. Eh bien, il est bien ce deck, hein. Ce deck bank là, on a un vrai win rate avec, hein. Oh, il est énervé quoi. Allez, c'est parti. On va récupérer notre XP là. T'as un t-shirt Valet PL Zio Brick? Mais non, je veux voir ça. Impossible. Let's go. Franchement, les mains comme ça, on garde. On dirait que j'ai une main de standard. Voilà. Moi, je joue pas en event. Rotation Proof M2020, dont je joue à un vrai deck de standard. Le meilleur d'ailleurs, un des meilleurs pour moi. Allez, let's go. C'est quand même une bonne carte ce machin là. Franchement, je vais le garder parce que si on joue contre Cavalcade, c'est la carte clé donc. Ah, il n'y a que des belles mains avec ce Bantin. Franchement. Bah après, vous vous en doutiez? J'en doutais pas. Hein. Je le savais que ça faisait des belles mains. Regardez, depuis le temps que je joue Bant, elles sont magnifiques mes mains. Ok, vas-y, envoie-moi la photo Zio-Brick. Vous êtes des fous, c'est pas possible. Ah, ça fait mal, ça. Comment je gère un boucher? Je suis obligé de le bloquer en vrai. Ouais, je bloque. Franchement, je prends pas le risque que ça devienne chiant et tout. Ah, ça va être chiant, quoi. Ah, c'est vrai qu'avec Esper Hero, tu dois te mettre bien aussi, Funky. Hein. J'en doute pas. PL avait déjà joué Esper Hero dans un event aussi qui proposait que les cartes jusqu'à War of the Spark, Ravnica et War of the Spark. Et en gros, tu rajoutes M20, t'es quali solide aussi. Hein. Parce que la Spark ferme ses portes vendredi à 19h. J'en ai déjà parlé plein de fois et je t'invite à regarder déjà le début de ce stream ou la rediffusion d'hier soir. Ou alors la vidéo qui sortira demain à 14h sur notre TV pour avoir de plus en plus d'informations. Voilà, que j'ai pas à me répéter et rendre ce stream extrêmement indigeste, même si à chaque fois je me répète un peu. Et que je le rends un chouïa indigeste, mais voilà. En gros, regarde les rediffs et tu auras toutes tes réponses. Je me tâte à trade parce que j'ai pas envie de passer trop trop bas en PEV. Et je me dis que dans tous les cas, j'ai un récif le tour d'après. Après, si je fais double récif, franchement, je me gaffe quoi. Je me gaffe de ouf. Hein. Vous savez pourquoi je vais prendre le risque? Parce que j'ai une chevalière qui va me donner 4 PEV. Et que ça vaut bien le coup d'avoir double récif, je pense. Ouais, surtout qu'on n'a pas top deck de land en plus, donc c'est vraiment important là d'essayer de trouver des terrains. Ok, terrain. Yes. Yes. Ça passe. Vas-y, on garde ça. Pas d'attaque. Ok, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Ah, oh, il a repioché ça. Bon, vas-y, on va donner nos deux récifs, je pense. Hein. On répartit les dégâts en même temps. On est d'accord que si je bloque les deux, il peut pas d'abord mettre les dégâts sur mon récif et du coup ne pas mettre de dégâts au fielleux. On est d'accord? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Passe à 6. Ouais, tous les dégâts vont être assignés en même temps et du coup on résout quoi. Et tout va bien. Ok, ça va alors. J'ai eu peur. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Je me suis dit, oh putain, je fais peut-être de la merde. Non, non, tous les dégâts sont assignés en même temps. Y a pas de. Il peut pas prioriser ses dégâts. Ça me rassure, quelque part. Mes récifs sont déjà morts. J'ai vu ça, ouais.
On va juste mettre un petit paisseur et une petite chevalière. Et tranquillement, le tour d'après, on fera des trucs bien. Ok. Oh, ouais, il n'y a pas d'init, bien sûr. Je vais prendre deux, vous savez pourquoi? Parce que Teferi, Bounce, Chevalière, c'est un play qui me. Ça me titille, quoi, quelque part. Donc, c'est intéressant, on peut le considérer. Est-ce que passer à 6 c'est risqué? Moi je pense pas. J'ai quand même un petit doute quoi. Ouais, je vais pas prendre le risque, vous savez quoi? Ce serait con de me mettre des dégâts tout seul. Ça serait très con. Oui, c'est une erreur, j'ai pris un dégât de trop. J'aurais dû juste bloquer la 2-1 avec l'épaisseur et laisser passer la 1. C'est parce que j'ai pas été au bout de mon play. À la base, je voulais trade dans la 2-1. Et au final, j'ai décidé de pas trade et j'ai pas inversé mes blocs parce que je suis con. Voilà, tout simplement. Donc, non, non, vous avez raison. Il fallait que j'inverse mon bloc. Vous avez raison. Vous êtes bon, hein? Vous êtes bon. Vous êtes trop bon avec moi d'ailleurs. Vous me laissez passer beaucoup d'erreurs. C'est extrêmement sympa. Bon, on va Teferi cette fois-ci là. Et on va aller tuer Chandra très très vite quand même, parce que c'est quand même vite emmerdant. En vrai, je peux aussi faire récif et hydre. Hein. Ça a l'air même mieux en fait. Je fais récif, hydre, je gère carcasse. Ok, GG wellplay. 1-2. Je vais juste faire une 2-2, je pense. Enfin, une 2-3, pardon, qui va se battre contre la carcasse. Tout ira bien. Et le tour d'après, on casse une énorme Krasis et puis on aura gagné, tout simplement. Ok. Bon, il avait compris que ça ne servait plus à rien. Ok, on a encore fait 2 heures avec ce deck. Est-ce qu'on n'a pas le meilleur deck? Alors je sais pas, je me pose la question quoi. Depuis quand Vol fait des erreurs? Oula! Oula! J'en fais quelques-unes en stream en tout cas. Ok, on a encore récupéré un peu. Je trouve ça dommage que la récompense soit tout le temps 200. J'aurais trop kiffé que la récompense soit aléatoire, que tu puisses gagner, je sais pas, 200, 300 ou 500. Ça aurait été un peu rigolo. Bon, c'est peut-être moi. Ça n'amuse peut-être que moi, mais j'aurais trouvé ça sympa. Je vais mettre la decklist sur le Discord et vous savez quoi? Je vais aller la mettre maintenant. Je vous la montre là maintenant si vous voulez aussi prendre un petit screenshot. Et puis je vais faire une petite pause de 5 minutes parce que j'ai grave envie d'aller boire. J'ai extrêmement soif. Donc voilà, c'est la decklist avec laquelle on rosse l'événement, évidemment. Hein. Et le meilleur deck band comme d'habitude, de toute façon. Je précise pour une fois que c'est moi qui ai transformé le deck. Hein. J'ai pas pris la decklist. Évidemment, la decklist de base existait déjà. Je l'ai juste adaptée à l'événement. Et puis voilà, tout simplement. Je reviens dans 3 minutes, je vous fais des poutous. A tout de suite. Hop là, je vais juste boire un petit coup. Hop.
Re, ce fut une pause très très courte, mais je me suis juste resservi à boire, tout va bien, voilà. Comme j'ai pas mis de pub, hein, on va pas mettre de la pub la dernière semaine, la TV ferme ses portes à 19h vendredi, il n'y a aucune raison de continuer à puber la TV, donc on pourrait, hein, quelque part, mais ouais, je pense qu'on va vous épargner ça sur la dernière semaine, entre guillemets. Et puis du coup, on est reparti avec le meilleur deck. Le meilleur deck pour l'événement, Rotation Proof, là, l'événement Magic 2020, en fait, quelque part. C'est parti, hein. On va continuer avec Band, puisque le deck marche, donc pourquoi se priver? Ouais, c'est mes verres à bière, ils sont sympas. Si t'aimes bien la culture japonaise, mais plus pas le côté otaku, mais le côté un peu sociétal, comment les Japonais se comportent, comment ils vivent, comment ils interagissent entre eux, je peux te conseiller Terrace House sur Netflix, qui n'est pas une série, mais qui est une espèce de télé-réalité, mais à l'encontre de tous les codes que tu pourrais connaître en France. C'est-à-dire que ça ne recherche pas du tout le buzz, ce sont pas des gens qui sont castés. Pour créer du buzz, des embrouilles ou que sais-je, des trucs de télé-réalité. C'est juste de l'interaction sociale entre des jeunes japonais qui continuent à vivre leur vie, ils sont pas du tout enfermés dans une villa ou autre. Ils vont juste vivre leur vie devant les caméras et essayer de réaliser leurs objectifs s'ils en ont. C'est extrêmement rafraîchissant, Terrace House. J'ai regardé toutes les saisons avec ma chérie sur Netflix. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial si t'es fan de. Au-delà d'aimer les mangas, d'être un otaku ou quoi, si t'aimes vraiment vraiment la culture japonaise, c'est un petit plus. Je te dis, ça vaut pas un bon reportage de 2 heures sur le Japon en termes d'informations, mais tu apprends vraiment, tu rentres vraiment en détail dans la manière de se comporter des Japonais entre eux. Et franchement, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ignore beaucoup beaucoup de choses sur leurs relations sociales, qui sont à l'opposé total de relations sociales, des normes sociales en France par exemple. C'est vraiment très très rafraîchissant, très très sympa. Déjà de voir une télé-réalité saine, c'est extrêmement satisfaisant. Et en ce moment, ça buzz. Bon, ça fait déjà 4-5 saisons que ça existe. Donc c'est connu depuis très longtemps au Japon, entre guillemets. C'est plutôt connu sur Netflix depuis aussi 3-4 ans. Et c'est en train de buzzer aux États-Unis. Là, je crois que c'est dans le top 10 des séries les plus regardées. Donc comme quoi, ça intéresse un plus large public. Voilà, je vous conseille Terrace House pour ceux qui connaissent, quoi. Terrace House sur Netflix, ça parlera pas à tout le monde, faut être la cible hein, évidemment, mais se laisser tenter, c'est on approuve très facilement, on approuve très très facilement. Hop là. Ouais, je valide. Je valide, je vais gagner des pèves, donc. J'en ai déjà parlé, pas de bolognaise, pour l'échec de la Spark. J'en ai parlé hier, quand j'avais fait l'annonce lors du stream à 20h. J'en ai parlé au début de ce stream, j'en ai parlé aussi au milieu de ce stream. Je vais pas en reparler à la fin, parce que ça fait beaucoup de. On se répète beaucoup. Il y a aussi une vidéo qui sort demain à 14h sur ValetPL. Et je pense qu'avec toutes ces informations-là, tu devrais retrouver largement réponse à tes questions. Moi, j'ai pas du tout aimé, pourtant j'aime bien le Japon. Ouais, mais je peux comprendre après Zoudou. Ça reste un format télé-réalité quelque part. Donc, si déjà t'es. Enfin, moi, je suis assez réticent de base sur ça, en général. Et je suis pas non plus. Genre, c'est pas au bûcher pour moi, tu vois. Je m'en fous juste, en fait. Donc, peut-être que c'est le format qui te plaît pas des masses, quoi. J'ai presque envie de plus 1 pour le tour d'après faire moins 1 et reposer ma Trostanie quoi. Ce sera plutôt bien, je pense. Je vais pas jouer le Druide sans feuilles, je le garderai pour un récif émergent et je vais mettre les points. Ça s'écrit comment? Terrace, TE2RACE. Plus loin, house. Mon anglais est horrible, donc forcément vous comprenez pas forcément, mais house comme une maison en fait.
Il le place partout. Bingo le Japon. Non mais vous êtes les pires. Mais ça c'est de la faute de Pierre-Louis. Hein. Et il vous fait croire, il vous mène en bateau. Il vous mène en bateau sur ça. C'est pareil, je parle à peu près jamais du Japon. Effectivement, sur mes streams, c'est un sujet récurrent. Soit, je veux bien le concevoir, mais j'en parle pas plus que ça, quoi. C'est pas vrai. Il vous mène en bateau. Il me diffame quelque part. Il me diffame. Attention, j'emploie des mots, hein. Alors. Je suis un con, je peux pas rejouer Maître Stani, quoi. Ah, je me déteste. Bon, bah, c'est un fail, hein, désolé. Ah, bah, ouais, joli, ouais. Bien joué. Horrible Nastek. Hop là. Ah, je vais refuser. Je pense que 5, ça fait, c'est un peu bas quand même. C'est un peu bas. Je vais le laisser piocher. S'il carte que des cartes, s'il pioche que des cartes du niveau de courant continu, ça va. Pioche des cartes, mec. Il n'y a pas de problème. On va s'entendre tous les deux. Joli. Eh ouais, c'est pas mal, hein. T'as vu ça? Je comprends pas. C'est quoi votre délire avec Hop là. Vous trollez jamais, hein. Évidemment, Kevin FM. J'étais en train de relire le chat, hein. Je suis désolé, j'ai encore une fois, je l'ai déjà dit aussi en début de vidéo, mais vendredi prochain, j'aurai de nouveau mon deuxième écran. Là, je suis obligé d'avoir le chat sur le téléphone et du coup, je dois scroller pour revenir en arrière. C'est pas très très bien pour vous, hein. Pas très digeste, hein. Désolé. Salut Black Joe. Il me diffame. D'accord, j'avais pas compris le jeu de mots. Je dis, oh man, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est vrai. Aussi, quelque part. Alors. Ouais, j'aurai le chat sur mon écran. Enfin, je l'aurai à partir de vendredi dans tous les cas, donc je me pose pas plus de questions que ça. Ça, je crois qu'on va devoir le gérer avec cette adjointe, sachant que ça met que 2 points, donc ça tue pas adjointe. Donc quelque part, ça m'a l'air d'être un bon plan. Quelque part seulement. Ouais, j'ai peur de ce que ça pourrait faire, ce machin-là. J'ai surtout pas envie de prendre de dégâts. Donc on va juste attaquer tranquillement. Et le tour d'après, on pourra probablement Nissa, récif émergent et gagner la partie, je pense. S'il a rien à faire d'ailleurs, il va juste perdre sur la prochaine phase d'attaque. Écoute, ça va très bien et toi, agent Gabriel? N'oubliez pas de sub. Non, non, je vous en supplie, ne subez plus. Ne subez plus. Il y a la chaîne ValetPL si vous voulez, où vous pouvez aller sub. Et il y a la chaîne de tous les autres streamers de la Spark TV, qui sont aussi déjà actives et que vous pouvez aller suivre d'ores et déjà. Donc ne subez pas à la Spark TV. Allez subez aux streamers que vous voulez soutenir après cette aventure, évidemment.
Tu penses que je pouvais Nissa adjointe? Probablement, Yunte, j'ai pas calculé. Je me suis pas amusé à compter. Écoutez, ce deck est en train de tout rosser là. J'ai l'impression que l'événement, limite, je devrais pas le faire. On devrait me donner mes 10 000 d'XP là. Ça, on gagnerait juste du temps en fait. N'oubliez pas aussi ce bon vieux Bandit. Effectivement, tu as raison, Bandit MTG. Vous pouvez aussi aller sub à la chaîne de Bandit. C'est vrai, je suis impoli. J'ai un invité sur le chat et je ne le pub pas. Je m'en excuse. Alors. Ouais, on est bien là. On est bien, bien, bien. Si à 2000 subs, vous sauvez la Spark. Non, ça ne marche pas comme ça. Oh bah cool. Eh, ça nous fait adjoindre tour 2 bon, sur du rien, ça va être de la merde en fait. Je dis de la merde. Mais ça aurait été bien si on avait un Teferi. Merci beaucoup l'armée de Jiraya. Merci. Ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça. Vous êtes les boss. Vous êtes les boss, n'en doutez pas. Écoutez, petite Nissa tour 3 là. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir ou quoi? Moi, ça me fait plaisir. Hein. Bah, il faut trouver un terrain, bien sûr, mais on va le top decker. On est fort. On est fort, on a la magie avec nous. Ouais. Ouais. On n'a pas été fort. Dommage. Allez, un petit terrain là. Tiens, je te mets deux fois zéro, tiens. Pan. Y a combien d'adjointes et de Nissa dans le deck? Il y a deux adjointes, quatre Nissa. Allez, je fais Nissa maintenant, il concède. Yes! On va faire Nissa Krasis, le combo, hein, le combo du standard. Hein. Ce sont mes cartes préférées. Elfe de l'Anowar, Nissa Krasis. Ok, j'achète, pas de problème. Sauver la Spark Party. Écoutez, la Spark Party, on la fera au GP Lyon si vous êtes tous là, de toute façon. Ouais, alors Ouzo, pour au-delà de te donner des conseils, je vais faire mieux que ça. Je vais t'indiquer un site qui s'appelle Channel Fireball pour gérer le site de Bant en BO3. Si tu débutes avec le deck, il y a un article de Andrea Mengucci sur Channel Fireball, sur Bant Aggro ou Bant Ramp, je sais pas comment il l'a appelé. Tu peux scroller dans les articles du coup. Donc pareil, sur Google, hein, tu tapes article Channel Fireball et tu verras donc du coup Andrea Mengucci, joueur professionnel qui parle de ce deck-là. Il sera de bien meilleurs conseils que moi, n'en doute pas. Il parle de ce deck-là, et au-delà de ça, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de parler de ce deck-là, il t'explique ses tables de side. Ses tables de side, c'est-à-dire comment il side contre tel ou tel match-up. Et ça vaut de l'or. Une table de side sur Magic par un professionnel, c'est le genre de truc qui est le plus recherché par les joueurs intéressés par le compétitif, entre guillemets. Donc je t'invite fortement à aller lire cet article-là. Voilà, tu vas pouvoir t'en délecter si t'aimes beaucoup jouer Bantrampe. Donc n'hésite pas, c'est priceless comme article. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ouais. Hop là, un petit point par-ci, un petit point par-là. Et c'est le létal le tour d'après. Let's go. Écoutez, on n'est pas à 6-0 avec ce deck. Non, non, mais je pose la question quand même. D'ailleurs, je l'ai même pas mis sur Discord. Je suis le pire. Je vais faire ça tout de suite. Mille excuses. Hein. Oh! Oh! On a le chat ailé. Bon, on a gagné autant d'XP. Comment on a fait? On est passé de. Oh! Oh, il vient de pop comme ça, quoi. Incroyable. Incroyable, je suis choqué. Je pensais pas du tout avoir le chat ailé comme ça. Hein. Magnifique. Regardez ce magnifique chat. Comment on fait pour le mettre? Montrez-moi. On va aller voir ça.
Ah non, c'est pas la boutique, c'est la maîtrise, pardon. C'est la maîtrise, c'est la maîtrise. Je veux le chat, moi. Je veux le chat, comment on fait? Bon, déjà, je vais aller récupérer mes petites cartes de maîtrise, là. Tiens, on va aller chercher Kikar. Tant qu'à s'emmerder. Hop là. Ouais, on va récupérer ma récompense. Homicide, ok. Ouais, let's go. Et j'en ai encore un, je crois. Non, j'en ai plus. Ok. Comment je fais? C'est dans mon profil, je crois, non? Tu l'as automatiquement. Ah, je l'ai déjà. Ok, d'accord. Non, mais comme quoi, putain. Alors moi, les cosmétiques, je suis vraiment le pire. Je vous remonte le meilleur deck, hein, parce que vraiment, on a le meilleur deck de l'événement, de très très loin. Hein. Je mets au défi n'importe quel autre streamer, joueur de Magic Arena, me prouver qu'il a un meilleur deck que mon Bantram qui est à 6-0 dans l'événement. Je vous attends. Bon, c'est du troll évidemment, c'est forcément des decks bien meilleurs, mais je trouve plutôt bien. Alors attendez. Je vais aller vous mettre ça dans le Discord de la SPAC. SPAC TV. Hop là, on va l'appeler le meilleur deck de l'event Magic 2020. De loin. J'adore, je me fais marrer tout seul. Hop là. Et voilà. Écoutez, on va continuer. Il est trop fort ce deck. Il est vraiment trop fort. Je vais le tweeter celui-là. Ah, je sais pas pourquoi là il m'a fait. Il reste combien de temps l'événement? Vous le savez ou pas? Il l'a joué Menguchi ce matin. En stream ce matin. Ce deck-là? Alors en BO1 sur Magic 2020? Et écoute, on a peut-être la même version, mais je l'ai monté tout à l'heure au travail. Donc je sais pas si c'est le même que Menguchi. Je vais aller voir sur son Twitter. Voir un petit peu quelles sont les différences. Généralement, il tweet tous les decks qu'il joue. Jusqu'au 26. Oh bah oui, on va aller tweeter ça alors forcément. Là c'est une information d'ordre public, forcément. Andrea Menguchi. On va aller voir ce qu'il joue Mangouste. Ouais, parce qu'avec PL, on a décidé que Menguchi, ça voulait dire Mangouste en français. Ce qui n'est pas du tout vrai, hein? Pas du tout. Mais voilà. On a décidé. Event, Magic 2020 standard. Alors là, il joue Simic quasi duplicate. Un truc très très proche de ce que je vous ai présenté en rotation proof la semaine dernière. Mais il joue pas Bant. Non, il a présenté Porte avec Golos. Esper Control. Non, il a pas présenté de Bant Ramp. Il a présenté. Ouais, non. Il a pris le band qu'il a adapté. La Mongoose qui porte du Gucci. Ok, il a pris le band. Bah, il a fait la même chose que moi. En tout cas, c'est pas sur son Twitter. Je ne lui ai pas piqué l'idée. Pourtant, j'aurais pu parce que j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Menguchi. On a eu la même idée. Hein. De toute façon, en même temps, on est tous les deux joueurs de band. Donc, quelque part, on se rejoint toujours, quoi. Les joueurs de band. Allez, on refait encore une dernière fois cet événement histoire de partir sur un 8-0 bien trop facile ou pas? Let's go! Et c'est parti. Je devrais rajouter le deck le plus polarisé de la méta. Donc ça, je laisse ça à The Fish ou les decks polarisés. Hein. Alors, on a une main qui permet de faire paisseur dans porte et derrière on fait rien, donc ça dégage tout simplement. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Là au moins on a Druidesse du Paradis qui nous offre d'autres plays, donc c'est ok.
Ok, il a juste joué. Ah, il joue Porte. Ok, alors je me suis pas encore battu contre Porte. Ça a l'air d'être un très très bon archétype du format. Ça me fait un peu peur quelque part. Allez, 0 point, tiens. Marqueur honte, comme on dit chez moi. Oh, j'ai les petites ailes. Salut toi, comment ça va? Il est trop beau, il est incroyable. T'as essayé de mettre la faiblesse élémentaire, hein? Eh ben non, je t'ai contré. Oh, l'avantage, c'est qu'on a au moins la chevalière pour pouvoir casser le premier enchantement, et on a le Teferi pour bouncer chevalière et pouvoir casser le deuxième enchantement. Bon, je sais pas si c'est un très très gros avantage, mais ça a le mérite d'exister. C'est une tare d'être joueur de bantre, je suis désolé. Je te trouve bien véhément quand même. Je trouve pas que ce soit une tare. Allez, ça c'est pété direct. Ah, franchement, j'ai pas le time là. J'ai pas le time pour des sommets de la guilde. J'ai un petit peu autre chose à faire, si tu permets, que de devoir gérer vos dingueries là. L'espèce de lion 4-4 légendaire là? Ouais, je l'ai vu, il est bien. Après, je suis pas persuadé que ça soit complètement pété, hein. Je trouve ça juste bien. En fait, si tu contextualises pas la carte, que tu la lis juste en mode tu la prends ligne par ligne, coup de mana, body et tout, elle est vraiment très très forte cette carte. Après, si tu la contextualises dans le méta actuel, on jouera toujours Récif, Cavalier, Nissa et Hydre devant, donc ça me paraît pas non plus incroyablement fort. Pour être très très honnête. Ok. Ah, on va peut-être faire notre première défaite, hein. Franchement, Porte, je crois que c'est un des meilleurs decks de l'événement. Et il joue Cavalier, ah, il doit aller chercher Field of Ruin, hein, du coup. Ok, il joue même des Risen Reef. Bah forcément s'il joue des cavaliers. Ok, bonne version du coup, hein. Bonne version. Nous on trouve que des terrains, donc forcément ça va être un peu plus dur. Est-ce que je pèterais pas Teferi qui n'a absolument aucun intérêt dans ce deck? Ouais, ça sert à rien de lui renvoyer cavalier. Ça va juste lui refaire de la value et lui permettre d'aller chercher ce qu'il cherche en fait, tout simplement. D'aller chercher par exemple Field of the Dead, Champ des Morts, et j'ai pas trop trop envie. Je veux juste rien faire et passer le tour. Salut Yannock, comment vas-tu? C'est un deck ramp, Matou Bat. Ouais, je prends Golos derrière, c'est dur. Ah là, c'est rude, hein. C'est rude, on s'en sortira pas. Ah, quoique. 7. Allez, on va tester, hein. Oula, j'ai appuyé sur 5 quand même, hein. Ça m'a mis 1, mais j'ai appuyé sur 5. Ah bah merci beaucoup, Yannock, content que ça t'ait plu. Une raison de jouer des gates à la place des gain life. Dans mon deck, aucune. Dans son deck, oui, beaucoup. Non, dans mon deck, aucune. J'ai mis des gates parce que j'ai fait le deck sur Magic Ville. Et cet après-midi au boulot. Et que sur Magic Ville, je me souvenais pas du nom des cartes qui font gagner un PV. Donc du coup, en fait, j'ai tapé Celestia Guild Gate pour pouvoir faire ma base de mana. Et en fait, quand j'ai importé le deck, j'ai oublié de changer les cartes. Mais effectivement, aucune raison. Il vaut mieux mettre le land qui fait gagner un PV. C'est juste. Ouais, j'ai oublié de l'enlever. Oui, je me doute bien que tu parlais de mon deck Rally Exactly, hein, forcément. Ah, il a ça, dommage. Bon, je peux péter Golos au moins, hein, c'est pas mal. Je peux péter Golos.
Bête Golos, il me faudrait un terrain. D'ailleurs, avec Krasis, on n'a pas pioché de terrain et c'est dommage. Ah ouais, non mais d'accord, il met une armée de tokens, là on va se faire soulever en fait. Bien sûr, Chouloukou, hein, évidemment, hein, tout ce qu'on a annoncé dans la vidéo de lundi à 17h est maintenu, qu'importe la fermeture de la Spark. Nous, on va continuer à streamer sur Valépl, hein, la chaîne existe déjà, tu peux déjà la follow, tu peux déjà sub dessus. On revient juste sur Valépl qui existait avant la Spark TV. On avait déjà une chaîne avant la Spark TV, en fait, avant de lancer tout ça. Hein. Donc, non, non, y a aucun problème, quoi. Avec Golos, ça dégage. Hein. Franchement, c'est trop risqué de laisser Golos. Ok. Valépl. Ouais, c'est une bonne carte, hein, Champ des Morts. Dingue, hein. Ok. Tu bluffes, Trostani. Ouais, vous retrouvez vos mois d'ancienneté, Natchoum, effectivement. C'est-à-dire que si jamais vous repartez sur Valépl et que vous avez cumulé vos subs, naturellement, vous les avez pas perdus. La chaîne n'a jamais été. Elle était inactive parce qu'on ne streamait pas dessus, mais elle n'a jamais été fermée. Donc tous ceux qui étaient proches du Tibalt des 6 mois récupéreront le Tibalt des 6 mois, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous étiez à 2 mois de subs chez Valépl, eh ben vous serez à 3 mois de subs si vous recevez dessus. Évidemment, alors rien n'est perdu. Je passe à 1. Je passe à 1, je repasse à 5 du coup. C'est moche, hein. C'est moche, hein. Ouais, c'est moche. C'est pas beau, bah. Ok. On va jouer notre Nissa. Hein. Oui, ton Tibalt. T'inquiète, il est là, ton Tibalt. T'en fais pas. On a toujours laissé la chaîne Valépl ouverte parce que ça a toujours été un petit peu notre repère, notre parachute quelque part. On savait très bien qu'en s'investissant dans la Spark TV, on n'avait aucune. On s'est lancé. Perdu, mais sans aucune garantie dans la Spark TV, c'était un pari fou. On a pris ce pari-là, mais on n'avait aucune garantie de réussite, donc on n'a jamais fermé Valépl. Et tous les streamers de la Spark n'ont jamais fermé leur chaîne. Voilà, donc oui, notre chaîne est toujours disponible, évidemment, bien sûr. Pas que j'attaque avec la Krasis en fait, hein. Faut juste que j'attaque avec le bassin et au pire il me triple bloque, je pense. Il me double bloque, pardon. Il peut pas jouer des. À moins qu'il joue grosse pyroll. S'il joue grosse pyroll, il peut me double bloque et je suis un peu deg. Mais dans tous les cas, c'est deux tokens de moins qui m'attaquent le tour d'après. Je crois qu'il faut que j'attaque malgré ce qu'il peut faire. Ouais, je prends le double bloque, ça me va. Ok. Bah allez, let's go. Merci Bratak, mais il ne faut plus ce sub à la Spark TV. On l'a mis dans le titre et on l'a mis dans. Et il y a une petite phrase normalement qui est juste au-dessus du stream. Je te remercie quand même énormément pour ce sub. Et dans tous les cas, c'est pas perdu. Ça participe aussi à soutenir bah, les gens sur la Spark TV. Mais la Spark TV ferme ses portes vendredi. Donc voilà. Je te remercie, mais je préférais te prévenir. À moins que tu aies sub en connaissance de cause et que tu veuilles tout simplement bah, encore continuer à nous soutenir. Et dans ce cas-là, je comprends et je t'en remercie. Eh, on pioche des mauvaises cartes, du coup on est juste mort, je pense, hein. Je suis obligé de jouer ça.
suis obligé de jouer ça, et je suis obligé de faire un token, espérer top decker une hydre et ne pas décéder le tour d'après. Voilà, et je vais prendre 3, quoi qu'il advienne, et ensuite ouais, je vais juste prendre 3 en vol là. Ok. Ok. On n'est pas encore mort, hein. Ok, il a encore Golos. Il peut utiliser la capa directement de Golos là? Ouais, large. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il est extrêmement solide, notre adversaire, un Covent. Voilà, il me faudrait une petite adjointe aux détentions. Le problème, c'est que ça suffirait pas, quoi. Ça a pas l'air de suffire. Il faudrait une hydre plus une adjointe, je pense. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Du moment que je trouve une hydre. Ah ouais, franchement, du moment que je trouve une adjointe, c'est mal joué de mettre tous tes œufs dans le même panier parce que il n'a pas besoin d'autant de tokens pour me tuer, sachant que je suis à 5. Par contre, il sait que ses tokens vont tous s'en aller sur l'adjointe. Donc en fait, là, c'est utiliser ses cartes, ses générateurs de tokens pour rien en fait. Donc il me laisse encore le droit de top deck, donc aucun problème. J'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. On va top decker, vous allez voir. On va top decker, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas top decker. Voilà. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, voilà, on a perdu. On a perdu. On était à 6-0. On va finir à 6-1, malheureusement. Voilà, retour au lobby, hein, comme on dit dans d'autres jeux. Ce n'est pas grave, on a bien farmé notre XP, on a réussi à atteindre le level 80 et à récupérer le petit chat magnifique. Voilà clairement le pire deck. Et c'était cool, c'était cool. Quel top deck, il était incroyable, on est d'accord. Du coup, je vais pas relancer de game parce que j'aimerais vraiment pas mettre en retard Maybe et Rémi Fortier. J'aimerais bien qu'ils commencent leur stream à l'heure et qu'ils aient aucune. Voilà, j'ai pas envie de leur passer le stream avec 10 minutes de retard. Qu'il n'y ait aucune complication. Je vous invite à tous suivre ce stream. J'en ai déjà parlé au milieu de ce stream là, mais c'est très intéressant de pouvoir avoir Rémi Fortier coacher Maybe. C'est vraiment bien parce qu'en plus Maybe il a un regard pas nouveau parce que maintenant ça fait quand même pas mal de temps qu'il stream et qu'il joue au jeu, mais par rapport à l'échelle de Magic, il a un regard assez neuf sur Magic et c'est quelqu'un qui vient de la scène Hearthstone. Donc déjà en plus il a beaucoup de comparatifs qui sont très intéressants par rapport à d'autres jeux de cartes. Et ça peut être vraiment une plus-value dans ces échanges avec Rémi Fortier, de lui dire, bah, nous, dans Hearthstone, ça marchait comme ça, on réfléchissait comme ça, on prenait en compte telle ou telle stratégie parce que la RNG était telle ou telle chose, enfin, de telle ou telle manière. Et comme Rémi Fortier est quelqu'un qui échange beaucoup et qui a beaucoup de choses à raconter d'intéressantes, je pense, en tout cas j'espère, que ce stream sera d'une excellente qualité. Et en vrai, j'en doute pas. Donc je vous invite à tous suivre ce petit feat de ce soir à 21h, quand je vais rendre ce stream. Il reste 5 petites minutes. Je vais vous mettre la decklist en fond parce que bah, franchement, elle est bien quand même. Vous avez vu, pour farmer l'événement, c'est vraiment fort ce banc de BO1. Et puis voilà, pendant les 5 dernières minutes, je peux en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions. On est sur un moment de grosse annonce pour PL et moi, avec beaucoup de chamboulements, que ce soit le sponsoring Magic Bazar, que ce soit l'annonce de faire plus de vidéos sur cette année, que ce soit la fermeture de la Spark TV. Donc si vous avez 2-3 questions que vous voulez qu'on explicite un petit peu, vous avez 6 minutes maintenant. Voilà. On est là, mais je sais que vous êtes là, maybe. Je sais que vous êtes là. Et si vous n'avez pas de questions, c'est que on a tout explicité très clairement, tant mieux, et je passe juste le stream 5 minutes en avance. Est-ce que tu penses que le Charming Prince est charmant ou pas? Je sais pas, Hugues, je sais pas du tout. Pourquoi tu joues Bande Voyons? Le meilleur deck. Qu'est-ce qui est petit et marron? Une crotte de lapin? Plutôt Plouch ou Spwick? Je dirais Spwick. Pourquoi l'arrêt de la Spark? J'en ai déjà parlé au début de ce stream. Dans l'annonce du stream d'hier soir à 20h, il y aura une vidéo demain à 14h qui l'explique. Gigi, on te suit. Sponsoring, c'est dans la vidéo que je n'ai pas encore vue. Oui, on est sponsorisé officiellement par Magic Bazar. Donc ça entraîne beaucoup de très bonnes choses positives pour nous. Des spoilers qui t'ont marqué. Le spoiler qui m'a le plus marqué pour l'instant, je crois que ça doit être Oko.
Je trouve que le Spence Walker est fort. Il pourra même être joué dans d'autres formats éternels, je pense. Voilà, pour l'instant, Oko. J'aime bien aussi le spell qui met 4 pour 3 si on joue mono red. Et cet après-midi, on en a vu des beaux aussi avec PL au boulot. On a un petit peu checké vite fait. Il y en avait 2-3 qui étaient sympas, mais voilà. J'adore la carte de limité qui est dessinée par Seb McKinnon, là, l'ordre de minuit, je crois, qui est de 2 pour 2, vol, qui peut pas bloquer et qui reprend une bête de ta créature en aventure. Une bête de ton cimetière créature. J'ai trouvé que la carte était vraiment intéressante dans son design. J'ai pas une question, juste une pensée pour Kinadin. Eh ben tu fais bien, PS Martino. On a tous une très très grosse pensée pour Kinadin. Il faut savoir que c'était quelqu'un d'extrêmement important pour la Spark TV. En tout cas, un très très grand liant. Une personne qui avait des. C'était un excellent streamer. J'adorais, moi, passer mes matinées à regarder Kinadin, quelqu'un très très proche de la communauté, de son chat, très très à l'écoute. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de liants humains pour la Spark TV, qui savait être un bon médiateur et aussi qui avait de très bonnes fonctions administratives, même s'il n'y avait pas de structure administrative, on avait tous un petit rôle. Donc voilà, ouais, c'était quelqu'un de très très important pour la Spark TV, Kinadin, et on a encore une fois une énorme pensée pour lui. Vous faites quand des stickers Valet PL? C'est pas forcément prévu, mais écoute, pourquoi pas. Chevalier de l'Automne est vraiment une bonne carte. En BO3, dans le format traditionnel, qui est le standard, pas forcément. Dans ce format-là de Magic 2020, qui se joue en BO1 avec beaucoup de decks Calamité et Porte, c'est une excellente carte. Parce qu'en fait, tes cibles préférentielles sont Cavalcade of Calamity, qui est un enchantement, et l'enchantement bleu des decks portes, qui sont un peu les deux decks dominants de ce méta, de ce mini-méta de cet event. Donc ouais, très 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 bonne carte pour cet événement-là, quoi. Tu penses quoi de Robin des Bois? Un chouette type, un bon gars. Le dernier trailer est incroyable, j'en ai déjà parlé aussi, j'ai adoré, et je vois que Magic Arena... Bah, mais pas mal de budget dans Magic au sens général, au sens un peu mainstream, et je trouve que c'est bien, ça va attirer beaucoup plus de monde, plutôt sûrement des plus jeunes générations aussi, ça c'est très important. Magic est quand même un jeu qui attire pas forcément les plus jeunes, voilà. Pour le coup, nous, notre moyenne de viewers sur YouTube, c'est quand même la grosse tranche, c'est 25-34 ans. Et voilà, on espère attirer un public plus divers et varié. Et je pense que Wizard est aussi un petit peu dans cette optique-là, et ils ont bien raison, quelque part. Ouais, bien sûr, Bottle d'air, d'autres tournois sont envisageables, même sans la Spark TV, c'est clair et net. Est-ce qu'on va refaire des duels avec des viewers? Bien sûr, Tribordial, il faut savoir qu'on va continuer à streamer sur Valet PL autant que sur la Spark TV. Donc il y aura autant d'occasions de faire des duels viewers sans aucun problème. Qu'attends-tu de la nouvelle extension? Un vrai renouveau et la possibilité de jouer de vrais decks midrange. J'en ai un petit peu marre des decks qui jouent tout seuls, qui sont assez peu interactifs. Voilà, j'ai pas trop envie de devoir avoir le choix entre Scapeshift, Nexus ou full aggro comme Vampire. Je préférerais avoir une méta un peu plus midrangesque, et c'est ce que un peu plus molle en fait, des plans de jeu qui sont moins solutionnés par le match-up, qui sont moins solutionnés par les sides, mais où vraiment la game 1 est un peu une guerre d'attrition comme on avait pu avoir dans d'autres standards très midrange. Donc j'aimerais ça en tout cas. Ouais, j'ai vu le teaser du Joker, c'était très très bien. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Il est 21h pile, je vais rendre ce stream. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais à tous des poutous. C'était super. C'était mon avant-dernier stream. Je restreamerai pour la dernière fois sur la Spark TV de 10h à 13h. Merci pour tout. Pas que pour ce stream, pour l'aventure Spark TV. Pour tous les gens qui ont soutenu, qui se sont sub, qui sont venus juste nous voir en tant que viewers. Qui ont participé, qui ont follow, qui ont été présents aussi aux événements, aux stream events, au cast des Mythic Championship, au tournoi interstreamer, voilà, de nous avoir suivis, accompagnés. Où qu'on aille, vous nous suivez, ça fait plaisir. J'espère que vous suivrez tous les streamers de la Spark sur leurs aventures individuelles. Plein de belles magies à l'avenir. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Voilà, c'était une épreuve. On est très heureux d'avoir pu mettre ça en place.
et on va fermer la Spark TV dans la joie et la bonne humeur, même si c'est quand même une triste nouvelle. Mais voilà, on reste positif jusqu'au bout. Je vous fais à tous des bisous. Je vous laisse avec le meilleur, avec Maybe. J'espère que vous êtes chaud pour cette masterclass de Rémi Fortier avec Maybe. Je vous fais à tous des poutous. Ne loupez pas le stream qui vient juste après moi. Et puis on se revoit donc du coup vendredi à 10h. Vous aurez PL pour ces nouveaux horaires jeudi soir à 18h. Ne loupez pas ça. Je vous fais à tous des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao, bye bye!